C'est bon, tout fonctionne bien? Alors pour moi c'est bon. Très bien. C'est Moi aussi. parfait. Donc, bonjour. Oui, on vous Bonjour. écoute, bah, c'est bon, vous avez 15 minutes. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je vais vous présenter un résumé de ma thèse intitulé Matheuristic Approaches for Solving Transport Optimization Problems in Urban Logistics. Je l'ai fait sous la supervision de Fabien Luédé et Olivier Péton de IMT Atlantique. Nous avons encadré le stage de Théo Lecoletter, son stage de maîtrise, et nous avons collaboré avec Stéphanie Hirnisch, Christian Tilk et Katharina Ulkis de l'Université de Mayence. Cette thèse se concentre sur la livraison de colis en ville par des moyens synchromodaux, notamment plusieurs modes de livraison ou plusieurs modes de transport, qui vont devoir se synchroniser entre eux pour être efficaces. J'ai divisé ma présentation en trois sections selon les problèmes que j'ai traités pendant ma thèse. Premièrement, le Vehicle Routing Problem with Delivery Options. Deuxièmement, le Two Echelon Multiple Trip Vehicle Routing Problem with Capacitated Satellite on Reverse Flow. Et finalement, le problème que Théo a traité pendant son stage, le Park and Loop Routing Problem with Parking Selections. Donc, pour commencer, le VRPDO. L'hypothèse de ce problème, c'est que quand un client commande un colis en ligne, il ne choisit pas juste un lieu de livraison, mais plusieurs. Par exemple, sa maison en soirée, un locker auquel il pourra passer quand il le souhaite, son bureau pendant la journée et un pick-up point auquel il pourra passer pendant son déjeuner. Chacun de ces modes de livraison est associé à un niveau de préférence, 1 pour ses modes de livraison préférés, 3 pour ceux qui l'arrangent. Nous, pour ce problème, on va se placer du point de vue du livreur. Et donc, une instance du VRPDO avec plusieurs options de livraison va ressembler à ça, où il n'y a plus qu'un seul point par client, mais plusieurs, un cluster entier de points par client, et un point dans chacun de ces clusters doit être visité. Du coup, comme exemple, ici, on a à gauche un exemple de route classique du VRPTW avec une livraison à la maison, et à droite, la même instance, mais résolue avec des options de livraison alternatives. Donc, on va pouvoir utiliser des lieux de livraison partagés pour mutualiser des livraisons et utiliser des lieux de livraison alternatifs pour éviter des détours importants à l'extérieur de la ville. Mais pour bien faire fonctionner tout ça, on a besoin de prendre en compte des ressources synchronisées. Notamment, les lockers, ils ont un nombre limité de tiroirs dans lequel chacun un seul colis peut être placé et tous les livreurs mettent les colis dans les mêmes casiers. Donc, il faut prendre la capacité des lockers au niveau de la solution en entier. Aussi, en utilisant les préférences des clients, on impose une qualité de service minimum, où on impose qu'au moins bêta 1% des clients soient servis avec leur option préférée, au moins bêta 2% des clients sont servis avec une option de niveau 1 ou 2, ce qui laisse qu'une petite partie des clients qui peuvent être servis avec une option de niveau 3 qu'ils aiment moins. Donc, pour résumer, le VRPDO consiste à définir des routes pour livrer un ensemble de colis via plusieurs options, tout en respectant les fenêtres de temps des différents lieux, la capacité des véhicules, la capacité des lockers, garantir une qualité de service minimum, et l'objectif est premièrement de minimiser le nombre de véhicules utilisés, et deuxièmement, le coût total. Donc on peut voir un petit peu le VRPDO comme un VRPTW, plus les options de livraison multiples, plus les ressources synchronisées. Pour résoudre ce problème, on a choisi de développer une heuristique de recherche à voisinage large. Cette heuristique part d'une solution initiale, il va itérativement l'améliorer, où pendant chaque itération, on va choisir un opérateur de destruction, une taille de destruction et un opérateur de reconstruction. C'est-à-dire qu'on va enlever des clients de la solution, des options de la solution pour être plus précis, avec cet opérateur de destruction, puis on va réintroduire les clients dans la solution en rechoisissant une option et une place dans la route pour les livrer, et en espérant obtenir une meilleure solution. Cette heuristique, cette famille d'heuristiques, LNS, a été utilisée très largement dans les littératures et donc beaucoup d'opérateurs ont été proposés. On a essayé d'en sélectionner un ensemble d'opérateurs assez robuste qui fonctionne bien sur pas mal d'instances du VRPDO. Donc, pour les opérateurs de destruction, on a implémenté 20 et par une série de tests, on a identifié 9 qui sont essentiels et non redondants les uns avec les autres. On a effectué la même série d'expérimentations pour les opérateurs de reconstruction. Et cette fois-ci, on en a implémenté 15 et sélectionné 6. Dans les opérateurs de reconstruction, je vais vous pointer deux types de familles,
notamment les opérateurs de reconstruction avec le regret, qui vont effectuer des décisions assez intelligentes, mais qui prennent du temps à s'exécuter. Tandis qu'on a des heuristiques de liste qui vont trier a priori les clients dans un ordre facile et les insérer dans cet ordre-là, sans remettre en question les décisions précédentes, qui sont beaucoup plus rapides. Et une combinaison intéressante de ces opérateurs-là nous a amené à proposer une nouvelle extension de LNS qu'on a appelée SLNS, Small and Large Neighborhood Search. On a toujours le même fonctionnement itératif, mais cette fois-ci, dans la majorité des itérations, on va choisir un opérateur de destruction local et une petite taille de destruction. De cette manière-là, la reconstruction va être très rapide et via l'opérateur de destruction, on va se concentrer sur une petite partie de la solution à chaque fois. Tout de même, si la solution n'a pas été améliorée pendant Oméga itération, alors on choisit un opérateur de destruction n'importe lequel et une grande taille de destruction pour diversifier la recherche et explorer l'espace de recherche. Ensuite, on a cherché à améliorer notre méthode en l'hybridant avec d'autres méthodes. Premièrement, avec un modèle MIP, un modèle de partitionnement. Donc pour celui-ci, on va stocker des routes qu'on a générées avec LNS et essayer de les recombiner pour trouver une meilleure solution. Au contraire, on a hybridé notre méthode avec de la programmation dynamique pour essayer d'améliorer des solutions prometteuses avec le voisinage de Ballast Simonetti. L'intuition derrière ce voisinage, c'est qu'on part d'un tour T et on cherche le meilleur tour T' tel qu'aucun client ne bouge de plus de K position dans cette route-là. Dans le cadre du TSP, c'est un voisinage qui peut être exploré, donc on peut trouver ce tour T' en temps exponentiel par rapport à K, mais linéaire par rapport à N. Donc c'est assez rapide si on choisit un K suffisamment petit. Dans le cadre du VRPDO, on perd cette linéarité en N, mais on reste suffisamment efficace tant que K n'est pas trop gros. Donc avec cette méthode-là et le VRPDO qui peut modéliser pas mal le problème de la littérature, on a essayé notre méthode sur différents problèmes avec différentes combinaisons des hybridations. Et en se comparant aux méthodes de la littérature ou dans le cadre du VRPDO, en configurant notre méthode au plus proche de la méthode de Pissinger, par exemple, pour comparer nos résultats. Et on a obtenu une méthode très compétitive par rapport à la littérature et avec des insights assez intéressants sur l'hybridation de méthodes exactes dans LNS et dans SLNS en particulier, qui s'est révélé être très performant pour ce type de problème. Maintenant, je vais vous parler du deuxième problème que j'ai traité pendant ma thèse, le two-echelon multiple trip vehicle routing problem with capacitated satellite on reverse flow. Donc, je vais commencer par ce dernier mot, reverse flow. C'est quelque chose qui apparaît notamment pour des petits magasins qui, quand ils se font livrer, vont se faire livrer des choses pour leur magasin physique, mais vont aussi avoir des colis à envoyer pour des clients sur Internet. Donc, ils ont à la fois une demande de livraison et une demande d'emport. Et on veut se concentrer sur la ville, sur des centres-villes particulièrement, où l'utilisation de petits véhicules est très intéressante. Ici, l'exemple de cargo bike, donc qui vont être très performants en centre-ville, mais qui ont une capacité limitée, donc qui vont devoir faire plusieurs tournées dans leur journée pour être efficaces. Donc ça amène ce genre de système logistique, où on a un dépôt à l'extérieur de la ville, et plusieurs petits dépôts autour du centre-ville, qu'on appelle satellites. La liaison entre le gros dépôt et les satellites est faite par des camions standards. Et ensuite, les livraisons dans le centre-ville sont faites par des plus petits véhicules, comme des cargo bikes, qui eux vont partir des satellites et visiter tous les clients pour collecter ou livrer les biens, en devant bien entendu synchroniser aux satellites avec les gros véhicules pour que tous les biens transitent de manière efficace. Donc, pour résumer, le two-echelon multiple trip vehicle routing problem with capacitated satellite on reverse flow consiste à définir un ensemble de routes pour livrer et collecter un ensemble de colis, tels que les routes du premier échelon emmènent tous les biens depuis les satellites et vers les satellites tout en respectant leur capacité, et tels que les routes du second échelon visitent tous les clients tout en respectant leur fenêtre de temps et en respectant la capacité de ces petits véhicules-là. La conjonction des deux échelons doit définir un flot consistant de biens aux satellites, tout en respectant la capacité limitée aux satellites. C'est des petits espaces de stockage situés autour du centre-ville dans lesquels seulement peu de biens peuvent être stockés à chaque instant.
Pour résoudre ce problème, on a proposé une méthode de décomposition, une méthode heuristique itérative qui se base sur une décomposition. Donc, en partant d'une solution initiale, à chaque itération, on va premièrement utiliser un SLNS qui va se concentrer sur le second échelon, où les routes du premier échelon sont fixées, puis un autre SLNS qui va travailler sur les routes du premier échelon en gardant les routes du second échelon fixes. Et comme on l'avait fait pour le VRPDO, on va stocker les routes qu'on génère au fil de SLNS pour, à intervalles réguliers, les recombiner en résolvant un modèle MIB qui est basé sur les flots pour synchroniser les routes des deux échelons. Et cette fois-ci, on va travailler sur les deux échelons en même temps pour essayer de trouver une meilleure solution au problème au complet. L'astuce pour la résolution de ce problème-là, particulièrement pour le SLNS sur le deuxième échelon, c'est qu'on veut pouvoir tester l'insertion d'un client dans une solution, dans une route, de manière efficace. Ici, j'ai pris la moyenne du nombre d'insertions qui est faite par appel à SLNS sur le deuxième échelon, sur des instances avec 50 clients. Et en moyenne, on va chercher à effectuer 600 000 insertions. Donc, ça doit être fait de manière très rapide. Donc pour faire ça, premièrement, on va tester chaque position d'insertion avec un critère, avec une condition nécessaire, qui va évaluer la capacité des véhicules et le respect des fenêtres de temps, ce qui permet d'enlever une grosse partie des positions d'insertion assez rapidement. Ensuite, celles qui restent, on va les trier par ordre croissant de coûts et essayer d'insérer le client dans chacune d'entre elles, dans cet ordre croissant de coûts. Bien entendu, on arrête si on a trouvé une position d'insertion réalisable, puisque c'est la moins chère possible. Ces positions d'insertion, on va premièrement les évaluer avec une condition suffisante de réalisabilité, qui est basée sur un algorithme glouton très rapide, et qui va déjà être capable d'identifier pratiquement 4000 insertions. Si jamais cet algorithme échoue, alors on va utiliser une heuristique de réparation un peu plus avancée, basé sur la double justification, qui est une technique pas mal utilisée dans les problèmes de planification de production, qui va essayer de réparer la solution. Et là, on va pouvoir identifier un autre 2000 insertions. Et celles-ci sont nécessaires. C'est des insertions plus complexes, mais qui permettent de diminuer assez significativement les coûts. Mais là, on voit bien l'intérêt de ce schéma. Sur les 600 000 insertions qu'on aurait dû tester, seulement 10 000 passe par cette condition qui est plus longue à vérifier, qui est une heuristique de réparation un peu plus complexe. Donc on gagne beaucoup de temps, ce qui permet de vraiment explorer l'espace de solution. Pour ce problème-là, on a effectué pas mal de tests autour de la méthode, mais aussi on a pu dériver pas mal de managerial insights au niveau de l'utilisation du nombre de satellites et de leur capacité. Et on a vu qu'à partir du moment où on a un nombre raisonnable de satellites et avec une capacité moyenne, alors, l'augmentation du coût par rapport à une capacité infinie est raisonnable, et la combinaison des flots inverse et retour amène un gros gain dans les coûts, alors que de plus en plus, le prix de l'immobilier devient astronomique autour des centres-villes. Ça permet de montrer qu'avec des espaces de stockage qui sont très raisonnables en taille, on peut avoir un système qui est très efficace, en synchronisant les flots inverse et retour, les deux échelons, les deux types de véhicules. C'est un problème complexe, mais qui permet de faire gagner beaucoup d'argent. Et puis finalement, je vais vous parler du Park and Loop Routing Problem with Parking Selection, sur lequel j'ai travaillé avec Théo pendant son stage. Alors, vous avez presque mangé tout le temps, hein, donc j'ai presque fini. Vite sur cette partie, oui. L'idée de ce problème, c'est que quand on effectue une livraison, on ne va pas forcément se garer devant le client, mais sur des places de livraison, et ensuite des tournées à pied. Soit en livrant plusieurs clients dans une même tournée à pied, soit plusieurs depuis une même place de parking. Là encore, on a utilisé un SLNS, et ce qui a permis de bien faire fonctionner, c'est d'utiliser plusieurs types d'insertions et des méthodes de filtrage des parkings probabilistes, donc en essayant d'insérer les clients dans des nouveaux parkings plus proches, avec une plus haute probabilité que des parkings plus loin, mais on laisse une probabilité non nulle de considérer ces parkings plus lointains parmi la très grande masse de places de livraison qui sont disponibles dans les centres-villes. Donc, pour conclure, pendant ma thèse, j'ai proposé des modèles qui permettent de considérer plusieurs options de livraison, des flots inverse et retour simultanément, synchroniser deux échelons, de considérer différentes contraintes de capacité sur les lockers comme sur les satellites, et de considérer la sélection de places de parking pour effectuer les tournées de livraison. Des,
Des pistes futures seraient de considérer des flottes hétérogènes à chaque échelon et de l'incertitude, notamment dans les temps de trajet. Pour les contributions méthodologiques, la principale contribution, c'est qu'on a proposé SLNS, Small and Large Neighborhood Search, hybridé potentiellement avec du MIP ou avec de la programmation dynamique, et en utilisant un ensemble d'opérateurs qu'on a sélectionnés et qui est très robuste, qui fonctionne bien sur beaucoup de problèmes. On a aussi proposé ITSH pour résoudre le Two Echelon Vehicle Routing Problème, qui intègre un MIP, SLNS et des outils venant de la planification de production. Les perspectives pour l'avenir, c'est d'utiliser des méthodes de réparation exactes dans SLNS pour essayer de trouver de meilleures solutions, mais aussi, vu qu'on effectue beaucoup d'itérations, on passe beaucoup de temps à copier des solutions, et c'est une piste d'essayer de trouver comment réduire ce temps qu'on passe à copier des choses. Donc, tout ça est disponible dans quatre articles qui sont maintenant publiés.